d'arriver du Japon. Il a pris ses fonctions, comme j'ai dit, il y a deux semaines. Donc, dis-nous, Ralph, pourquoi BMW s'est lancé dans cette affaire? Je te donne la parole maintenant. Messieurs, dames, bonsoir. Je suis très content d'être ici avec vous ce soir. Mais, encore en anglais. All right. Urban mobility. Of course, this is Paris. And everybody knows, I think, what urban mobility means. But I would like to talk this evening about the context, urban mobility for BMW Motorrad, which is a totally new thing. Okay, on va pas parler trop long, c'est pas une présentation longtemps, donc on va faire vite. Je vais résumer vite. Il est très content de voir vous ici à Paris. Pour beaucoup d'Allemands qui viennent de Munich, ils sont souvent choqués de voir qu'est-ce qui se passe sur les routes de Paris en termes de congestion, circulation de deux roues. Ils n'ont jamais vu autant scooters. Donc, ils pensent que c'est un bon endroit de parler avec vous du scooter, de l'urban mobility cette soirée. If we look at the global picture, yes, there are more than 40 million scooters sold worldwide. Most of them are being sold in Asia. Beaucoup de scooters vendus dans tout le monde, plus que 40 millions de scooters vendus par an, souvent en Asie. And we have so-called megatrends, which are clearly going in the direction to that we are seeing more congestion in the city centers of the world. Oui, c'est clair que avec des grandes villes, des mégacities, il y aura la nécessité de donner une réponse à cette congestion, circulation dans le monde. And we have in the whole world around 25 megacities, cities which have more than 8 million inhabitants. This is growing year by year. Il y a plus que 25 mégacities, donc mégavilles dans le monde. On voit la tendance que les grandes villes augmentent encore le nombre d'habitants. We see in some of those cities, like for example London, that there will be, and there are, restrictions on parking spaces and also the access to these city centers. Bon, plus en plus, on voit dans vie qu'il y a un régime en place, une politique en place pour limiter les gens de stationner les véhicules, d'accéder aux villes avec les voitures. And of course, we all know it every day, every week, when we gas our car, oil prices, the trend is going up. C'est clair que le prix du carburant, le prix de vie, l'essence augmente chaque jour, surtout aussi avec la polarité dans le pays arabe. With the Kyoto Protocol, we are seeing, of course, also pressure to reduce CO2 emissions. Avec l'accord de Kyoto, on voit une pression sur la réduction des émissions. Amongst us, the consumers, we have a trend, which is a positive trend, to go into the direction of sustainability. On voit aussi, et BMW est très fort dans cette direction, BMW est le constructeur le plus durable dans le monde de l'automobile. On voit une tendance que les consommateurs et les constructeurs se comportent, je dirais, plus sensibles, plus durables que dans le passé. And again, I just would click through this. In the cities in Europe, there are many initiatives, legislations, you name it, to improve the circulation of traffic. And we see, for example, places like London, Paris, of course, Barcelona, and Rome having restrictions, for example, on cars, favoring electric mobility and favoring mobility with power two-wheelers and scooters.
il y a plus en plus de villes qui mettent des règles, des facilités en place pour faciliter les ventes des véhicules électriques, aussi dans les villes comme Paris, avec les primes à la charge. Les villes comme Barcelone, Londres, c'est une tendance qu'on a plus en plus. We as BMW, we realize that we have to respond to these challenges. On the car side, we do have BMW I, so-called Project I. As you may know, we will launch electric motor cars, electric cars in the near future. Et BMW est conscient de tous ces développements dans le monde, de toutes ces tendances, et on a une réponse. On a créé pour la partie moto, pour la partie voiture, le projet I, qui était dévoilé il y a 2-3 semaines. Et on voit une tendance de beaucoup de constructeurs qui se battent dans cette direction. But also us, as BMW Motorrad, we think now that it is time to open a totally new business field, a division for urban mobility. Pour BMW Moto, c'est aussi clair qu'on va développer une nouvelle division, entre monsieur Rayon et le patron, de mobilité urbaine. C'est clair qu'il y aura beaucoup de choses qui vont passer dans cette domaine. At the moment, we see many possible visions, prototypes, how electric mobility, future mobility, on a single track for two-wheelers or three-wheelers could look like. But this is still a rather vague image in our head. Oui, il y a beaucoup de projets de tout le monde, beaucoup de parts de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'idées partout. Il reste assez vague pour beaucoup de personnes. Oui, at BMW side, Motorrad side, we have a strategy how we will gonna tackle this issue. So we will look in existing scooter segments and offer great premium products there. We will look at totally new segments which we can create based on revolutionary developments. And we will, of course, capitalize, use our great know-how coming from the motorcycle side. We know how to build great motorcycles, so why don't we can we not build great scooters? Pour BMW, c'est clair, c'est une stratégie qui est là. Il y aura beaucoup de nouveaux produits, des produits qui vont surprendre beaucoup de gens. Nous avons beaucoup de compétences acquises côté voiture, qui nous allons permettre de créer des super belles produits bientôt sur le marché. So, in a nutshell, it means urban mobility from BMW Motorrad. We try to combine the dynamics and the performance of a motorcycle with the functionality we see in a scooter. Pour BMW, pour nous, l'objectif est de combiner le dynamisme de fun de la moto dans un projet comme le scooter. And as a first step, we are presenting you tonight the Concept-C. C stands for commuter. La première étape pour nous, c'est le Concept-C. C'est pour commuter. Et on va le dévoiler ce soir. As you know, this is a design prototype, and our designers were rather challenged with the issue because they had to bring the maximum emotion into a rather functional segment. This was a big challenge for them. C'était un grand challenge pour nos designers de mettre beaucoup d'émotion, beaucoup de passion dans un produit qui est assez fonctionnel. And it was a very fast and challenging task to go ahead. And here we see the first sketches. Ici, vous allez voir le premier dessin sur le coup. This is the designer who created the bike. C'est
And this is the making of. Oui. So this is a very, very expensive show bike creation here. Faut pas oublier que après, quand le scooter sera dévoilé, il faut pas toucher parce qu'il n'y a que un dans le monde. Et si ça tombe, j'ai un problème. By the way, the gentleman with the funny glasses is David Rock, the head of design of Motorola. Le monsieur à gauche, c'est le designer, c'est le monsieur David Rock, c'est le patron de design. Later on, when you see the final product, you will realize we did our best to avoid the typical shape of an L shape of a scooter. And the whole idea, basically, is to make it give the image of a very sporty product to it. And you will also realize that we have some elements there of our motorcycles. So I think this, you will see later on, that this is a wonderful combination of the world of the motorcycle and of the world of the functional scooter. C'était pas facile pour le designer de mettre tous les éléments d'une moto dans un scooter, comme il a dit. On a essayé de mettre quand même quelques éléments d'une moto comme une notre sportive. Été lancé l'année dernière dans cette scooter et c'était un process qui était dur mais je pense qu'ils sont bien réussis. I'm very happy to answer your questions afterwards and thank you very much. Merci Ralph, merci beaucoup. Juste encore un petit mot, il y a quelques journalistes, monsieur Arnaud, c'est la disponibilité de la présidente pour vous apprécier.